appris à me déplacer dans les arbres pour échapper aux robots. Dans les communautés que je fréquente, certains me surnomment Monkey. Si tu veux vraiment me donner un nom, utilise celui-là. Ok, Monkey. Baisse-toi. La tourelle va nous repérer. Je scanne. Je crois pas qu'on puisse passer par ici. Attends. Je détecte du carburant. Une cellule? Non. C'est plus ancien que ça. Ça vient de ce camion. Je crois que c'est du pétrole. Monkey, j'ai une idée. Tu devrais essayer d'atteindre cette tourelle et d'en prendre le contrôle. Fais diversion. Diversion!
Attends. J'ai une idée. Je devrais pouvoir améliorer ton équipement. Hey! 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 Par ici. Tu m'aides à traverser ? C'est magnifique. Ouais. Mais il devrait être mort, c'est aberrant. Non, au contraire. Le soleil nourrit les plantes. Les plantes donnent de l'oxygène à l'eau. Les petits poissons mangent les algues, les gros poissons mangent les petits. C'est un écosystème fermé. Tout comme chez moi. C'est mon père. Il a bâti notre communauté exactement sur ce principe, pour nous permettre de vivre sans jamais quitter son enceinte. On fait de l'agriculture, on condense l'eau nous-mêmes, on produit notre propre énergie. On a tout ce qu'il faut. Sauf un futur. Pourquoi ? Ah, c'est toujours la même chose. Des tribus éparses qui se regroupent sous la bannière d'un leader visionnaire qui, un jour, finissent par attirer l'attention des esclavagistes.
Ce qui est déjà arrivé, visiblement. Il n'y avait qu'un transport. Il n'a pas eu beaucoup de monde. Il y en aura d'autres. Si ces poissons peuvent survivre 200 ans, contre toute attente, nous aussi. Allez, viens, il faut que tu scannes ce truc. Bon, alors, où est l'épave ? Par là-bas. On s'en rapproche. Il va falloir qu'on traverse ce ravin. Merde. Tu vois cette tour métallique? Elle pourrait peut-être nous aider à passer. Je vais utiliser la libellule pour trouver un chemin.
Je vais placer un repère sur ton interface visuelle. On peut passer par ici, mais plus loin, il y a des robots. Bah, apparemment, on n'a pas le choix. On continue. Par ici. Attends. Robot droit devant. On pourrait essayer de les contourner, non? C'est une impasse. J'ai l'impression qu'il faut monter.
Tu pourrais me lancer là-haut. Pourquoi ils nous attaquent, ces robots? Ils savent rien faire d'autre. Restons pas dans le coin, c'est dangereux. Quelque chose. Waouh ! Du sérum énergétique. C'est bon pour les blessures, ça. C'est quoi ça? Et ça va? Tu l'as pas vu? Donc, il y avait rien du tout. Je crois que je deviens fou. C'est peut-être à cause de la couronne. Après tout, elle est reliée à ton cerveau. Peut-être qu'elle... cause des hallucinations. Super. Non, vraiment, c'est mieux en mieux. Désolée. Par ici. On a un léger problème. Un des robots a un bouclier. Attends, je fais un scan. Voilà la sortie. Je te la marque. Le robot de gauche a l'air un peu différent des autres. On dirait que son bras avec le canon est amovible. Ok, je vais essayer de l'arracher.